Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui un automassage. C'est le printemps, la nature se réveille et en médecine chinoise, le printemps est lié à l'élément bois. L'élément bois, c'est le renouveau, la créativité, l'imaginaire qui se réveille pour élaborer des plans, l'organisation, la planification. Et on va essayer de profiter de cet automassage pour mettre en équilibre cet élément à l'intérieur de nous. Voilà, on va commencer et je vous propose de mettre les pieds bien à plat au sol, de détendre les épaules, les bras, les mains. Les genoux sont déverrouillés. Et voilà, et on se pose complètement, voilà, on détend tout et on va vraiment se déposer dans le sol. Voilà, comme si on s'ancrait véritablement dans le sol pour être bien présent ici. Et puis, le printemps, c'est vraiment le moment où les sens peuvent se réveiller et je vous propose d'aller un peu les réveiller. Donc on va commencer par le visage. Et comme le matin, vous commencez par vous mettre un petit peu d'eau pour vous réveiller, ben, on va prendre ses mains et aller réveiller un petit peu tout le visage. Voilà. On va aussi aller réveiller son odorat en prenant les index. Voilà. Et on frotte les arêtes du nez. On va continuer avec la bouche. Voilà, on prend le pouce et l'index et on va frotter au-dessus et en dessous de la bouche. Avec l'index et le majeur, on va aussi aller réveiller son écoute. N'hésite pas à frotter. Je vous propose maintenant un point. Qui est lié à l'élément bois, qui s'appelle le VB1, la vésicule biliaire 1, et qui est au coin de l'œil en fait. Au coin de l'œil, là, vous allez trouver un petit trou. Et voilà, vous allez laisser vos index se poser dessus. Et puis rester un petit peu là, en tournant un peu les doigts. Vous pouvez fermer les yeux. Et voilà, restez juste là. On va stimuler un petit peu ce point. L'élément bois est lié aussi à la vue et au regard. Voilà. Donc stimuler son regard. Regarder plus loin, plus autour de soi. On va aussi un peu reposer cette vue en fait et la ressourcer en la remettant avec soi-même, en mettant les mains en coquille sur les yeux. Voilà, on ferme les yeux et on reste quelques secondes là. Voilà, avec son regard intérieur. Et avec tous ses sens. Alors là, moi, je suis avec les oiseaux. On revient et on redétend les épaules, les bras, les mains, on secoue un peu tout. On sent ses pieds bien posés au sol.
Et maintenant, on va continuer avec la tête en tapotant avec le bout des doigts. Voilà. Puis ensuite, on va, avec la pulpe des doigts, on va masser un petit peu le cuir chevelu. On passe un peu partout. Alors maintenant, on va continuer par quelques petites pressions derrière. Derrière le, au niveau de l'occiput et du cou, voilà. C'est des parties en général très tendues. On descend un peu. On va aussi faire les trapèzes. Avec l'autre main, on fait l'autre côté. On va aller réveiller aussi un peu les bras. Donc on va partir du haut du bras, la paume devant, et on va descendre jusqu'en bas des doigts et on remonte. Voilà. On va faire ça quelques fois. On fait sur l'autre main. Maintenant, on va mettre, on va tapoter au niveau du foie et au niveau du poumon. En fait, on va mettre ces deux organes en connexion. Donc, le foie est vraiment sous les côtes là. Donc, vous allez vous me placer sous les côtes à droite et voilà, juste en dessous de la clavicule avec donc la main droite. Et on va tapoter les deux ensemble. Voilà. On relie ce foie. Voilà. Et maintenant on va changer de bras, donc en fait c'est le bras droit qui va tapoter le foie. Et l'autre bras qui tapote au niveau de la clavicule droite. Un petit peu le ventre. Voilà, c'est dans ses deux mains. On va tapoter un petit peu derrière. Jusque au niveau des fesses. Quelques petits mouvements de rotation pour délier un petit peu les hanches, les genoux et les chevilles dans un sens puis dans un autre. Et maintenant, on va s'occuper des jambes. Donc, on va passer en tapot en lissant en fait l'intérieur et l'extérieur des jambes. Donc avec vos mains, on va passer à l'extérieur et on repasse à l'intérieur. Voilà, après on va finir en tapotant le long du méridien de la vésicule biliaire et du foie, qui sont liés aussi à l'élément bois. Alors, la vésicule biliaire est au niveau de la couture extérieure du pantalon, et le méridien du foie se trouve plus au niveau du tibia à l'intérieur des jambes. Donc on va tapoter avec les poings, voilà, et on descend.
on remonte sur l'intérieur, sur le devant des jambes. On repart sur l'extérieur. Et on fait ça quelques fois. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vous propose juste de rester quelques instants, les pieds posés bien au sol, et juste de ressentir, voilà, si vous voyez une différence entre votre état avant de commencer et maintenant. Voilà, juste de fermer les yeux et de ressentir intérieurement, voilà, ce qui a pu se passer après ce petit automassage. Et je vous souhaite une très belle journée.